allé chercher mon pick-up chez Transmission Automatique Saint-Hyacinthe. J'ai fait changer mon huile à transmission puis mon cooler. Ça, t'as pas remonté une 480 extrême avec un valve body billet, tu dis? Ouais. Full manuel shift, billet. Les chaffes. J'ai un bout de chaffe, j'ai le même chaffe, une grosse prague là-dedans, puis un paquet d'affaires. En tout cas. Bon, fait que là, tu vas nous expliquer pour le CCL80, le fameux thermostat Daily qu'ils ont rajouté dans les 1500, 2014 ça, et plus. Sur le côté de la transmission, t'as ça. Là, ça, je l'ai marqué, là. Ça, c'était mes vieux morceaux, ça? Ouais. Puis j'ai checké dessus, il y a des numéros, c'est la même affaire que les autres. Ah oh, ouais, il était pas plus froid, oh, ouais. Même si c'était... Fait que ça, c'est une thermistance, là, quand ça a chaud, ça se déploie, puis ça libère un passage. Fait que quand c'est froid, ça fait juste rentrer-sortir. Puis quand elle se réchauffe, le thermostat il rouvre. Puis là, ça fait commencer à circuler dans ton refroidisseur en avant. Moi, j'ai des clients qui m'ont dit que quand ils partaient, ils l'embrayaient tout de suite. Ils avançaient sa boîte à mal, ils le remettaient au parc. Ils prenaient sa mal, ils rembrayaient. Là, ça bougeait pas. Puis là, tac, ça donnait un petit coup. Puis là, quand ils laissaient réchauffer, ça le fait pas. Là, on pense que c'est à cause de ça, dans le fond. Là. Ben... Toi, c'est ce morceau-là que tu as commandé? Ouais. Oh, active bypass. Ça fait 6L90, 8L90, 10L90. Non, il y a ça même des ça nouveaux. Fait même, c'est Allison, les nouveaux modèles 2017 en montant. Fait que c'est un kit de trucs de même. Dans le fond, il y a une check valve au cas où que le cola il boucherait, puis ça bypass. Mais comme tel, ça fait juste circuler directement là, d'un à l'autre. Comme, dans le fond, un tuyau d'origine, là, au lieu d'avoir cette équipe-là, le gars qui a changé les tuyaux, moi je l'ai déjà fait, tu mets des tuyaux anciens modèles, c'est directement de même. C'est okay. Ça se trouve à être le... Ouais, dans le temps c'était comme ça. Ça se trouve à être ça, fait que là ils ont comme rajouté ce bloc-là. Là. Ok. Fait que là après ça, ben là tu passes direct dans les tuyaux. Ouais. J'ai déjà fait le mettre des anciens modèles, c'est juste qu'ils sont pas pareils. Surtout en avant. Ouais, quand tu mets un couleur... C'est mieux mettre le vrai kit, là. Ouais, quand tu mets un couleur... C'est correct, tu peux prendre les anciens modèles de tuyaux, si t'es coupes, tu reflares puis tu refais toute ta tuyauterie en avant, mais si tu veux repluguer l'original, comme les 2014 en montant. Le fameux torque converteur qui se débâtit, c'est à cause de la chaleur. C'est la chaleur surtout. Parce que... Ils sont pas particulièrement mauvais ces 2014 et plus? Ils sont tous pareils, c'est la même affaire. Okay. Que tu pognes un cube, roue double, 6 litres. Ça en est un torque, c'est entre ouais, le moteur. Ouais, lui c'est un 480 là. Ça en est un entre le moteur et la transmission, ça ressemble ouais. À ça. Mais 2014 en montant, ils ont mis ça. C'est l'interne d'un torque ça? Non, ça c'est la pompe. Ok, c'est la pompe de la transmission, c'est qu'est-ce qui plante dans le torque. Ouais. Mais à l'intérieur de la transmission. Okay. Ouais, c'est ça. Ça c'est dans le fond, il y a des gains. C'est ça qui est activé par le hub de torque, ça. Mm-hmm. C'est que là, eux autres, ils pompent de l'huile. Là. Fait que le torque GM, il n'est pas en problème. C'est vraiment surtout... Non, c'est la chaleur. La chaleur, parce que 2000, à partir de 2008-9, ils ont fait de la 6 vitesses. Parce que moi, il n'y avait pas de métal dans ma transmission. Non, c'était propre. Propre. 80 000 kilos, jamais battu. Mais elle était rendue liquide, ouais. Là, comme ça avait déjà quand chauffé. L'huile, puis... Quand l'huile, elle se dégrade, plus de couleur. Elle vient liquide, puis la température, elle vient plus haute. Tu sais, là, elle n'était ouais. Pas vieille. Fait que tu sais, là, elle a tenu, elle a réussi à tenir à. Ouais, vu qu'elle avait 80 000 kilos, mais elle était temps. Mais là, ouais, ça, c'était juste comme parfait, là. Parce que pas juste ça, il y a les valves dans la pompe. Ça l'use, là. Regarde, je vais t'en montrer, là. Fait que ça, c'est des valves dans transition, tu parles? Ça sert à quoi? Dans la pompe, c'est okay. La pressure régulateur. Ok. C'est celle 80. Check le bord, comment il est mangé ici, là. Ben ouais, c'est tout usé, hein. Puis regarde, elle, c'est au bout, ça ressemble à un cam. Ça ressemble à un cam à force gay. Quand il s'est shiné de même, c'est parce qu'il est usé. Ah, puis là, il y a des bosses dessus et des troncs. Ouais, ben, il use pas droite, là, gars. Comme lui, il est usé plus sur un bord que de l'autre. Bon, mais la chaleur fait ça aussi. Okay. La chaleur, là, elle fait que la valve, elle va user plus. Tu vas pogner une 2010. Fait que ça vaut vraiment la peine, là. Ouais, ouais. Tu prends un 2010. Mm-hmm. Ben oui, il y a 250 000 km. Et tout le temps 50 degrés. La transmission est à 50-60. Tu vas sortir l'avant, elle va être comme neuf.
à 250 000 km. Les autres sont à 80 100. Tu pognes un 2014 en montant là, qui a fait un peu de trailer, qui s'est tenu à 90 100 toute sa vie. Là. La valve est finie. Les plus finies, c'est les plus récentes. OK. Je sais pas si on... C'est pas la valve qui est moins bonne. C'est comme tu dis, ça semble tu vois qu'ils ont changé de couleur aussi avec le temps. Là. Tu sais, comme il y en a des plus pâles, il y en a des plus foncés. Ah. Peut-être que le matériel n'est pas exactement le même. Mais pis ça, j'en ai trois fois de même. Moi. J'y garde toutes à chaque fois. Pis ça, il y en a juste une. On a ici, après la mise à jour du thermostat, je roule 115 depuis un moment. Elle avait réussi à monter jusqu'à 55 en faisant de la ville, puis d'être arrêtée, puis tout ça. Puis là, en faisant de l'autoroute, elle s'est remise à rebaisser. Puis là, elle s'est restabilisée à 53, ça fait un moment. La transmission chiffre beaucoup mieux malgré la programmation. Check, on voit, elle cherche à refroidir là. Fait qu'on voit que c'est vraiment du positif. T'as au gros soleil, il fait 16 degrés présentement. Fait que c'est sûr qu'on va avoir un meilleur contrôle de la température puis pas éviter des surchauffes durant l'été. Fait que, comme mon ami chez Transmission Automatique Saint-Hyacinthe nous a expliqué, ça vaut vraiment la peine, même sur un camion neuf. Merci.